Bonjour à tous et bienvenue sur le salon Autonomique 2023. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau produit, le Tactonom, un produit qui est vraiment dédié à l'éducation nationale, donc un produit qui va être compatible pour les enfants, pour les adultes malvoyants et non-voyants, un produit vraiment révolutionnaire. C'est sur le salon Autonomique 2023 à Paris et je vais interviewer le directeur général de la société qui est donc à l'origine de cette toute nouvelle innovation. Donc je vais vous présenter donc le directeur général, monsieur Klaus, et il va vous expliquer exactement comment tout fonctionne. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors ici, voilà. Ici dans un premier temps, on a donc une carte de France et comme vous pouvez voir, une caméra surplombe cette carte de France. Mais pourquoi cette caméra surplombe cette carte de France? Il y a donc ici tout un système avec des boutons. Et vous allez voir l'explication. On est donc sur le salon et donc M. Klaus va nous expliquer comment fonctionne son produit. Voilà, très bien, merci. Alors déjà, il y a une caméra de l'appareil. L'appareil s'appelle Tactonom, ça vient de tactile et autonome. Et l'idée, c'est qu'on rend des graphiques accessibles aux gens non-voyants et malvoyants. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les gens voyants travaillent avec à peu près 25 000 graphiques. Et en même temps, les gens malvoyants et non-voyants ont que entre 40 et 100 graphiques tactiles à leur disposition. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour assurer l'accès des gens malvoyants et non-voyants aux graphiques. Et là, j'ai une caméra qui va tout d'abord scanner un code QR et télécharger des informations supplémentaires pour que, et après, ça va me expliquer ce que j'ai sous les doigts. Et j'ai déjà téléchargé la première carte. Allez vers, démarrer la nouvelle page. Alors ça s'appelle nouvelle page, j'appuie sur un bouton et maintenant ça va scanner le code QR. La France, département. Et maintenant je vais explorer avec mes doigts et si je veux savoir ce que j'ai sous mon doigt, je vais appuyer la touche ronde. Cher. Et ça m'explique exactement ce que j'ai. Je peux aussi rajouter une couche d'informations. Annoncer les titres et les descriptions. Charente. Code. 16 préfectures, Angoulême région, Aquitaine, Limousin, Poitou, Charonne. Interrompre. Souvent, je ne vais pas avoir autant d'informations, c'est pour ça que je réduis le montant d'informations. Annoncer uniquement les titres. Maintenant, je peux jouer parce que je sais, la caméra trouve la position des doigts. Et si, par exemple, je veux trouver un département, comment je fais quand je ne vois pas? Alors, où j'ai quelqu'un qui prend ma main et me guide pour me montrer l'endroit? Où j'ai une mode qui s'appelle ici Aller vers. Explorer. Aller vers. Et déjà, là, j'ai une liste de tous les départements. Yvelines. Et je peux choisir quel département m'intéresse. Et maintenant, je mets mon doigt n'importe où et l'appareil m'indique vers quelle direction aller. Il m'a dit vers 3 heures. 12 heures. Et maintenant, vers 12 heures. Alors, je vais. Ah, c'est d'abord. 3 heures. Voilà. Vendée. Trouvé. J'avais pas besoin de personne. J'ai pu le faire moi-même et rapidement. D'accord. Donc la carte là, elle est complètement tactile. Est-ce que sur la carte, par exemple, on rencontre du braille ou pas du tout? Oui, on rencontre du braille, on a toujours en haut à gauche le titre du graphique. On peut bien sûr ajouter du braille, mais le problème avec le braille, que si je voudrais ajouter les noms de tous les départements, la place ne suffit pas. Alors, je n'ai pas la possibilité de mettre tous les noms, c'est pour ça qu'on rajoute des informations par le billet de... D'accord, donc en repère braille, il y a simplement l'intitulé de la carte, par exemple, ou d'autres feuilles. Qu'est-ce qu'on peut repérer, justement, avec le Tactonom comme autre, par exemple, feuille? Je vais vous montrer quelques feuilles. Là, par exemple, j'ai le plan du métro parisien. Je crois qu'il y a à peu près 300 stations différentes. Et je vais montrer... Explorer les verts. Démarrer le quiz. Nouvelle page. Là, du coup, la caméra va encore scanner le code QR. Et m'expliquer ce que j'ai sous le doigt. Les lignes de métro sont représentées. Et là, j'ai une deuxième mode qui s'appelle Explorer. Explorer. Et je mets mon doigt. Louis Aragon.
Villejuif Paul Vaillant Couturier. Villejuif Léo Lagrange. Le Kremlin Bicêtre. Maison Blanche. Maintenant, je n'appuie plus sur un bouton. C'est automatique. Place chaque fois que je... J'ai une nouvelle station de métro sous mes doigts, ça me l'annonce. Mais après, j'ai aussi la possibilité, par exemple, de faire des plans d'étage où je peux expliquer vraiment en tout détail un bâtiment, tout à fait. Explorer. Là, c'est notre bureau nouvelle page. À Nuremberg, en Allemagne. Et je vais juste vous montrer deux, trois éléments. Plan d'étage du bureau. Zone d'entrée. Alors, c'est le point central du bureau. La porte d'entrée se trouve dans ton dos. Les pièces dans le sens des aiguilles d'une montre sont à 9h, le couloir menant à la salle des serveurs et à la salle de bain. À 10h, la salle de conférence. À midi, le laboratoire. À 1h environ, le bureau individuel. À 3h, le bureau paysager. D'accord, ça veut dire qu'on... Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, adapter une carte comme on le désirerait, par exemple, un collège, un lycée qui serait pas adapté? Est-ce qu'on peut l'adapter au fur et à mesure ou pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec une association à but non lucratif qui s'appelle ProBlind. Et eux, ils ont dans leur base de données plus que 1300 graphiques tactiles. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez ajouter vos propres graphiques. Vous pouvez les changer en ligne, c'est accessible aussi pour les non-voyants. Et en plus, vous pouvez les traduire automatiquement en 25 langues différentes. Le but de cette association, c'est qu'un jour, on aura les mêmes graphiques pour l'école, pour l'éducation nationale, pour les non-voyants que pour les voyants. D'accord, donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est aussi, par exemple, pour des personnes non-voyantes, c'est d'avoir la possibilité de découvrir les sites, les issues de secours au cas où. Tout à fait. Ça permettrait à des enfants ou des adolescents ou même des adultes, ouais, dans les lieux peu connus, de découvrir et de même partir dans les issues de secours. Exactement. C'est pour les, bien sûr, pour les écoles, mais aussi penser aux hôtels. Là, derrière chaque porte, pour les voyants, vous avez un plan de secours. Mais quand je suis non-voyant, qu'est-ce que je fais? C'est pas pareil. Là, j'ai le top. Pardon? Pardon. Alors, je vois donc sur le devant de l'appareil, donc il y a des boutons spécifiques à l'appareil qui vont permettre de découvrir les menus et justement chaque carte qui sont étudiées. Tout à fait. Il n'y a que 7 boutons. C'est très facile à... 7 boutons. 7 boutons, c'est très, très facile à manipuler. La première, c'est menu. Premier bouton à partir de la gauche. À partir de la gauche. Après, j'ai une grande bouton, ils sont tous rondes. Ça, c'est Enter, c'est validé. Pourquoi? Menu avant, menu derrière. Et là, j'ai des trois, à droite, j'ai encore 3 boutons. Première, c'est pause et marche. Deuxième, je change le niveau d'information. Le troisième, c'est le volume. D'accord. C'est tout. Avec ça, je peux tout manipuler. D'accord. Mais je vais montrer des choses qui sont plus intéressantes et encore plus intéressantes et ludiques. Là, par exemple, j'ai la structure d'un orchestre symphonique. Explorer le verre. Démarrer une nouvelle page. Et ce que je voudrais vous montrer par cette graphique-là, c'est qu'on ne peut pas uniquement expliquer avec du texte, structure mais on peut aussi mettre des sons. Maintenant, vous entendez, en fait, l'orchestre symphonique. L'instrument à l'endroit où il est posé dans la structure d'un orchestre. Et tous les instruments différents sont montrés. Et c'est intéressant pour un orchestre, mais c'est d'autant plus important parce que les sons et la musique, c'est motivant. Et ça fait plaisir. Alors, quand on travaille, il ne faut pas oublier que apprendre, travailler peut aussi faire plaisir. Et c'est le but de cet appareil, de faire plaisir aux enfants. D'autant plus qu'on a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui font de l'instrument, justement du piano, des choses comme ça. Exactement. Donc, ça peut vraiment intéresser aussi les personnes non-voyantes par rapport justement à ça, au son, le repère du son. Tout à fait. Et en fait, la plage de cet appareil, c'est en métal. C'est pour ça que je peux travailler avec des magnettes. Et là, j'ai la montre. Je peux mettre les aiguilles de la montre au milieu de l'appareil. Et du coup,
le système va me dire l'heure et aussi les minutes. Une fois de plus, je peux jouer avec, avec ces informations-là. Ou, en ce qu'on vient de tester là, j'ai là une maquette en 3D de Sacré-Cœur. Et je mets la maquette sur l'appareil. C'est, en bas, c'est magnétique. Explorer vers. Démarrer le nouvelle page. Et maintenant, je peux me faire expliquer la structure de Sacré-Cœur. Modèle 3D Sacré-Cœur, Paris. Et je mets mon doigt sur la maquette. Coupole et cœur avec l'hôtel. Et ça me va mettre. Voûte croisée. Tout expliqué. Dôme pour trompette. Oui, donc là, c'est énorme. Chapelle de la Vierge et Champagne. Un non-voyant sera capable de toucher des structures en 3D et découvrir directement le monument. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà. Et après, là, c'est pour les plus jeunes. J'avais déjà dit qu'on veut vraiment qu'ils fassent plaisir d'apprendre et aussi d'apprendre le sens du toucher. Et là, on a plusieurs jeux, surtout pour les plus jeunes. Explorer l'univers. Démarrer le coup. Nouvelle page. Et là, c'est le jeu de memory. Et il y a 16 cartes sur, jeu de mémoire. Sur cette graphique. Et il faut trouver les cartes avec les mêmes sons d'animal. Là, il faut retrouver le même coq. Coq. Pas trouvé, alors. Chien. Et je vous assure, quand vous fermez vos yeux et essayez de jouer ce jeu, c'est vraiment difficile pour moi, en tant que voyant, je ferme les yeux, je n'ai pas d'idée quelle distance je parcours avec mon doigt, parce que je fais ça complètement visuellement. Mais un enfant non-voyant a besoin d'avoir cette intuition de quelle distance j'ai parcouru avec mes doigts. Après, je vous ai montré des graphiques où en fait, on a expliqué ce que vous avez sous le doigt. Mais là, j'ai une graphique, il y a une centaine de cases, des numéros 1 à 100. Explorer, démarrer une nouvelle page. Et là, avec cette graphique, là, l'appareil va me poser des questions, des calculs mentaux pour m'entraîner à mon calcul mental. Et moi, je vais répondre en indiquant le bon résultat. Alors là, dans chacune des cases, c'est, les nombres sont indiqués en braille, mais aussi en façon audio. Maintenant, je vais lancer le mode interaction. Trouver des objets. 20. Questions aléatoires. 6 multiplié par 6. 6 multiplié par 6, c'est 36. Alors, j'ai cherché 36 et appuyé sur le bouton valider. 36 est correct. 99 divisé par 9. Alors, moi, j'appuie sur n'importe quel chiffre pour vous indiquer qu'il sait si c'est correct ou pas. 40 n'est pas correct. Alors là, vous voyez, l'appareil connaît le résultat, bien entendu, et peut m'aider à m'entraîner à mon calcul mental. Je n'ai pas besoin des parents, je n'ai pas besoin d'un prof. Je le fais à mon propre rythme. Le système ne se fâche jamais. Alors, je peux vraiment, en toute tranquillité, apprendre à ma vitesse et à ma façon. C'est important parce que il y a des choses répétitives dans l'éducation, mais on a aussi la possibilité de rendre accès au format ludique qu'on utilise pour les voyants tout le temps. Là, par exemple, j'ai un jeu de serpent, mais il y a plein de jeux en maths, il y a aussi pour le grammaire, un peu partout, qui sont aujourd'hui presque impossibles pour les non-voyants. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on veut que l'inclusion fonctionne si je n'ai pas accès aux mêmes graphiques et mêmes formats d'apprentissage? Et nous, on trouve que c'est très difficile. Avec le Tactonome Reader, ça devient possible et c'est ludique. Et c'est pour ça que nous, on trouve que c'est très important pour l'éducation des non-voyants et des malvoyants d'avoir accès à un tel dispositif. Oui, d'où l'intérêt vraiment que l'éducation nationale se procure le Tactonome, puisque ça va vraiment faire évoluer les enfants en milieu ordinaire, les enfants aveugles et malvoyants, oui. Ils vont pouvoir être comme les autres élèves. Tout à fait. Et on vient de l'Allemagne. En Allemagne, déjà, cet appareil est utilisé dans les universités pour
donner de la possibilité aux non-voyants d'étudier les mathématiques et des sujets qui sont fortement visuels. Et sans un appareil pareil, c'est pas possible. Vous savez, c'est pas possible, c'est pas correct. C'est très, beaucoup plus difficile qu'il ne serait avec cette espèce. Et donc, au niveau justement de l'éducation nationale, on part du bas âge, donc de tout ce qui est des petits enfants jusqu'au lycée. Oui, jusqu'au tout à fait. Voire même plus haut, la PAC. Et nous, je crois qu'on a fait l'expérience qu'il est super important, surtout pour les enfants qui sont nés non-voyants, qu'ils apprennent avec cet appareil plusieurs choses. Tout d'abord, le plaisir de toucher. Ça, c'est super important. Deuxièmement, de pouvoir maîtriser l'espace devant soi. Ça, c'est difficile, ça prend du temps, c'est hard. Troisièmement, la pensée spatiale, de me pouvoir retrouver. Apprendre ça, c'est super difficile pour quelqu'un qui est né aveugle. Et après, la capacité du cerveau d'abstraire d'un niveau 2D en 3D. Prenez l'exemple de l'horloge. Comprendre ça déjà, la structure de l'horloge, c'est super difficile. Et après commence la phase de comprendre ce que ça signifie. Alors d'apprendre cette structure, d'abstraire d'une information tactile, c'est pas deux fois plus difficile, c'est 10 fois plus difficile. Il faut qu'on entraîne le cerveau des tout jeunes enfants pour qu'ils puissent, une fois rentrés à l'école, avoir la possibilité de suivre leurs amis en classe. Donc, on parlait aussi de l'éducation nationale, mais je pense que le tactodome pourrait vraiment aussi entrer dans les grandes bibliothèques. En fait, les bibliothèques, les BFM, multimédia. Tout à fait. C'est vraiment l'endroit aussi où on pourrait les intégrer. Tout à fait. Tout ce qui est à voir avec l'éducation, c'est là où le tactodome Ruder est vraiment très, 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 très fort. Incontournable. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un produit extraordinaire parce que ça permet vraiment une insertion des enfants en milieu ordinaire et ils vont pouvoir étudier les cartes géographiques comme leurs amis. Oui, pas uniquement géographique, mais aussi en biologie, en chimie, en histoire, partout. Oui, d'autant plus que les lieux, comme tout à l'heure en 3D, ils vont pouvoir même découvrir des endroits en 3D dans le monde entier. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Merci. Tous les liens seront en description et on va essayer de mettre le produit en avant en espérant que beaucoup, beaucoup d'établissements puissent se procurer donc le tactodome que vous voyez ici de près. Donc ici on a la caméra, ici on a le plateau comme vous avez vu en début de vidéo avec l'intégralité des boutons. Voilà, donc merci encore beaucoup pour cette présentation et en espérant vous revoir en France et qu'on puisse distribuer un maximum de produits. Merci.